asleep in midst the trees. Bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose hacks and raids. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher! Et on se retrouve dans la cachette secrète qui a disparu. What? Enfin, dans les bains, hein, dans les bains publics, et il y avait une cachette secrète quelque part. Et what the fuck, elle a disparu. Ah non, c'est ici. Oh putain, moi je croyais que c'était dans des escaliers. J'ai zappé. Bah ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Mais bon, c'est pas grave. Salut, t'es là, toi. Ils ont changé son prénom. Ils lui ont rendu son ancien prénom des autres Witcher. Ouais, calme-toi. C'est trois ici. Qu'est-ce que je fous là? C'est qui Bart? Bart Simpson? Arrête ça tout de suite. Bart méchant. Bart perdu. Ah, il a changé depuis. Te cogner la tête contre le mur n'y changera rien. Bart mal. Bart moins pensé. Bart moins pensé. T'es dégueulasse, c'est quoi ça? C'est un troll? Ah ouais, c'est un troll. Où as-tu trouvé un troll? Toi et le troll, ça semble aller tout seul. Il est gentil? Quoi m'avoir fait venir ici, au juste? Prends note de ce... Il a un nom et tout, ok. Ils y reviendront plus tard. Tu vois cette porte? Derrière, il y a une chambre forte. Jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres babioles. Ah oui, c'est juste des babioles, hein. Et bon. À plus, pépette. En clair, ça signifie que quelqu'un... J'aime beaucoup comment il parle. ...tonnes d'or, sans compter les choses plus légères. Et tu vas m'aider à les récupérer. Ok, d'accord, je comprends. Bon, allez, j'y vais, on y va, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Je saute de joie en dedans. Ah, joli sarcasme. Je vais jeter un œil, mais d'abord... Par contre, quand c'est question de gonzesse, tes émotions, tu les perds pas, hein. Les voleurs sont passés par ce trou. Les voleurs sont le mec, super pragmatique comme gars. Tu fais. Ah, voilà, il est d'accord avec moi. Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions? L'année, le nom du fichu roi de Redania? Non, merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas trop. Boum. Un trou. Bart va voir. Non, pas voir. Ah bon, on a compris, il parle plus vite. Oui, donc ils lui ont donné des champignons pour s'endormir, en fait. Ok. Bart. Dodo. Dodo. Oui. Très bien. Boum, mais encore. Par contre, je veux savoir, ouais, c'est quoi l'explosion? Tu peux être plus précis. Gros comme ça, oh le mec. Comme ça. Ça, c'est de la précision, mon type. Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Non, sans blague. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal. Ah voilà, c'est un duel de sarcasme entre les deux là. J'ai toute ma vie avec des idiomes. Ah mon dieu. Le sale champignon, c'est-à-dire la moisissure des égouts. Ces spores sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est trop... Ah d'accord, ils ont pas essayé de le tuer, l'endormir, ils ont juste essayé de le tuer. C'est pas à toi qu'on parle, bêta. Où en étais-je? Ah oui, les spores. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Mais les voleurs ont trouvé la parade. Et c'est quoi la parade? Parce que moi j'y vais pas si c'est toxique. Tu les as vus? Bart passe partout. Veux voir quoi fais-vous? Respire, champi. Hop, dodo. Pépette partie.
Méchant troll. Ah, ils auraient pu un peu accélérer sa voix quand même, parce que là, c'est long. Ah oui. Mais non, mais il, c'est pas un pisteur, et sinon, il ne demanderait pas de l'aide. Cet idiot de fonce. Ouais, il est mort. Une gorge d'antidote et ah dans les égouts. Il y a un antidote. D'accord. Et seul. Que s'est-il passé? Le Benet s'est mis à avoir des renvois terribles, des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte. Enfin, un ancien comte. Qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. Et du coup, il est mort. J'ai ah, pas mal. Et puis, j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Du coup, tu t'es enfui. La vie de mes gars. Si, si, j'y tiens. encore plus cher. Oh, ce mec. Cette lâcheté monumentale. La lâcheté d'un homme. Allez, bon, j'y vais dans les égouts, moi. Mais donne-moi l'antidote, par contre. Le reste de ce fameux antidote. Ouais, s'il te plaît. J'ai aussi la formule. Méfie-toi, le goût est atroce. Bon, t'inquiète pas, j'ai l'habitude d'en avaler des merdes, hein. Je suis sorceleur, je te rappelle. Merci. Inutile de me remercier, vraiment. Étouffé dans ton vomi, tu ne servirais à rien. Ouais, j'avoue. Bien. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère. Bonne chance. Oh, il n'y a pas de souci, je vais m'en sortir, hein, je pense. Alors, du coup, inspecter le site. Bon, on y va, nous. Donc, bah, regardez, il y a direct un truc. Vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur. Comment ça, ça a sauté de l'intérieur? Les bains douches semblent converger par ici. Vous voulez dire que les gars, ils étaient déjà dedans quand ils ont fait sauter. Donc en fait, ils sont rentrés par là-bas. Et ensuite, ils ont fait péter tout. Mais alors, le troll les a pas vus. Bon, je comprends rien. Pas grave, on va continuer à suivre. Ouais, si tu veux. Ça, c'est quoi, ça? La grille du conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion, qui l'a arrachée du mur. Pas de traces de magie. Ce n'était pas un sort, mais une bombe. Il devrait rester des fragments. Il devrait rester des fragments. D'accord. Donc le courant, là-bas, on va se verrouiller, on peut pas y aller. Comme ça, c'est, fait, c'est clair et net. On sait par où aller. Pourquoi ça vibre comme ça? De plus en plus de mal à respirer. Ah bah oui, 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 je suis con. Ah oui, alors. Inventaire. On va boire l'antidote, ça sera mieux. Est-ce qu'il est là? Je sais même pas où ils l'ont mis. D'accord, j'ai compris comment on fait, ok. Du coup, je vais pouvoir boire. Bon, j'ai bu quand même. Pire qu'un élixir de sorceleur. Ah, mais il faut que je me dépêche en fait, parce que apparemment... Apparemment, ça dure pas très longtemps. Donc, on va se dépêcher. Évidemment, il y a des mobs. C'est pas grave, on les demande vite fait. Vas-y, on va pas tarder. Allez, on s'en fout. C'est pas grave. Ouais, vas-y. Allez, dépêchons-nous. Ah, chargez. Je sais pas combien ça dure de temps. Il y a pas de temps. Ah, si, mais 5 minutes. Mais ça va. Moi, je me presse pour rien. Mais je suis un grand malade. D'accord. Chercher des indices dans les égouts. Alors, on va voir les indices ici. Il y en a un mob que j'ai laissé, qui est en train de me suivre, regardez-le. Et alors? Et alors, bah tu vas venir? Je suis là! Wouh! Bon, il me voit pas, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un noyeur, on s'en... Mais c'est pas ça que je veux? Non, c'est pas ça. Faut que je cherche des indices, là, des traces de pas, non? On dirait un tronçon de cylindre en argent. Rien à voir. Des runes gravées à la base. Tout tordu, sûrement par l'explosion. Oui, comme ma bite. Ça sent l'huile de wyvern et le caramel. Oui, comme ma bite. N'importe quoi, le mec. Ah, j'ai réussi. Je sais pas si ça a un quelconque intérêt de faire ça, mais j'ai réussi. Je suis content. Retourner au bain. Il y a peut-être un passage, du coup, ici. Qu'est-ce que c'est? Des trucs qui clignotent, là? Non, rien du tout. C'est peut-être un raccourci. Je ne sais pas. En tout cas, on monte et les bains sont en haut, donc c'est verrouillé. Ok, très bien. Bah, c'est pas du tout un raccourci.
Voilà, comme ça, ça c'est fait. Du coup, on descend. Et là, il y a quoi là? Quelque chose là? Mais pourquoi il y a des chemins qui ne servent à rien, sérieusement? Pour induire le... Ah, là c'est ouvert. Bon, très bien. Une pièce d'or tombée entre deux briques. Eh, on pouvait pas passer par là directement. Jaski a dû charger le magot sur un bateau. Ah ben oui, c'est Jaski qui a volé tout ça. Évidemment, j'avais même pas pensé à ça. Du coup, il faut aller voir dans les bains. Faut pas chercher Jaski. Ouais, très bien. Mais je passe par où? Par là. Ah non, c'est relou ça. Ah, un coffre. Une selle de course améliorée. Je crois que j'ai déjà ce qu'il faut. Donc il faut passer par là. Bon ben, on va passer par là. Allez, voilà. Descends du mur un peu à l'arrache. On s'en fout. Je suis en train de m'éloigner à fond là. Non, je préfère passer par là que par les égouts. C'est relou les égouts. Poussez-vous, poussez-vous. Poussez-moi, excusez-vous. C'est par là. Par là. Raté. Salut tout le monde. Je ne me mettrai pas... Ah, salut le nuque. Il dort. Je me mettrai pas à poil. Regarde, je rentre comme ça là. Rien à foutre. Tu as un instant? Oui. Voilà, j'ai trouvé ce que tu voulais. Pas une partie de Gwent, non. J'ai fini mon enquête. J'ai passé au peigne fin les égouts près de la chambre forte. Alors, des trouvailles? Ouais. Ouais, on va dire ça comme ça. Tu me promets de pas tuer Jaski? Selon moi, c'est une bombe qui a évolué. Ouais, il a pas du tout posé comme ça. C'est quoi ce glitch? La base d'un cylindre en argent, a priori. Couvert de runes. Intéressant. Une idée du contenu? Une bombe! Il y a certains ingrédients à l'odeur. Huile de wyvern et sucre. Du sucre? Gérald, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Rigole, mais le sucre, on peut faire beaucoup de choses avec du sucre, hein. Non, non, j'ai pas pu me tromper, c'est pas possible. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Une bombe contenant du sucre. Voilà. Réfléchissons. Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique. Mais pas assez pour provoquer une explosion. Eh, le mec est cultivé quand même, hein. Versé en alchimie. J'y ai un peu tâté à l'académie d'Oxenfurt. Ouais, je veux pas savoir ce que t'as fait. L'or n'est pas au bon vieux temps. Tu dois retrouver mon or. Pas rédiger ma biographie. Ça va, calme-toi. C'est autre chose au sujet de cette bombe? N'importe quoi? Ouais, ouais, n'importe quoi. La bombe est arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte. Mais la grille était en place au moment de l'explosion. Ce qui signifie que... Quelqu'un a détruit la grille avant. Conduit depuis les bains-douches. Tout juste. Voilà ce que j'imagine. Ah non, oui. Le coupable commence par vider un bassin, puis il largue tranquillement sa bombe par le conduit. La bombe descend avec l'écoulement, vient reposer sur la grille, puis pour citer Barthes, gros go. Waouh. Citons les grands philosophes tels Barthes, hein, évidemment. Barthes le troll. Du coup, il faut trouver le bassin. Il va falloir trouver le bassin qu'il faut. Quel bassin il est relié? Oui. Je vois pas à quoi ça va nous servir, mais bon. Tient un registre des clients. Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin du vol. Ah, ok. Alors les mecs, ils se baladent tranquillement dans la ville, mais ils sont quand même espionnés pour savoir quel bassin ils utilisent et tout ça. Il me manquait. Vraiment? À peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Qui met des couteaux dans sa culotte? N'importe quoi. Très bien. N'importe quoi. Inspecte les bassins de droite, je m'occupe de ceux de gauche. Bugle en cas de trouvaille. À vous, dans les bassins de gauche, il y a les gonzesses. Non, il y a personne en fait. Allez, examinons. Rien d'intéressant ici. On va voir celui-là. Ah d'accord, ça c'est des bains privés, ok. C'est quoi ça? On dirait de l'huile. Mais ça se voit même sans le sens de sorceleur. Voilà.
On se baigne pour voir un petit peu de l'huile de wyverne. Faut chercher encore. Il y a un mob là-bas. Ah, je ne peux plus sortir. Très bien. Ah si. Enfin, je veux bien, mais... Ça y est, j'ai trouvé de l'huile. Je suis content. Ah, j'ai trouvé quelque chose d'autre ici. Qu'est-ce que c'est? Un couvercle en argent. Adapté au cylindre. Ah bah voilà, on a trouvé la bombe. Enfin, le couvercle de la bombe. Wouhou! Viens, mon gros cochon. Un indice. Un fragment de la bombe. J'ai de l'huile pour te mettre sur le corps. Appel, purge le bassin numéro 4 et apporte le registre. Et que ça saute. Ah bah, il a l'air vachement pressé, le mec. Voyons ce qu'il y a au fond. Merde, c'est vachement glauque ce qu'ils disent, hein. Avec une mauvaise interprétation. Au niveau de l'évacuation, ça signifie que la bombe est passée par là. Appen, qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage? Voyons, Berthold Heinz, conseiller municipal. Joseph Schweig, princeur. Le margrave Henkel. Henkel. Et Jasquier. C'est impossible. C'est qui ce margrave Henkel? Qui était-ce? Serait plus juste. Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Ah oui, c'est Jasquier alors. Je l'ignorais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel, paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Mais j'ai mes sources. Pourtant, c'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Revel. Aucun doute. Tu lui as parlé? What? Il a examiné de près? Non, il est juste passé devant moi à son arrivée. Donc ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis pour une fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Allez, pime dans ta gueule. Penche-toi sur la question. Oui, je vais me pencher sur la question. Oh, ne me brusque pas. Je ne suis pas un garçon de course. Voilà. C'est moi ici qui fais la loi. J'ai pris la détestable habitude d'aboyer mes ordres à la ronde. Très bien. Oui, ben pas avec moi. Par où commencer? Par chez Henkel, un manoir délabré au sud de la Grand Place. Peut-être y trouveras-tu quelqu'un d'indice concernant notre malfaiteur. Allez, au travail. Je veux bien, mais en fait, si Jasquier... Ah, niveau 16, magnifique, ça monte très rapidement. En fait, je veux bien aller là-bas, mais si Jasquier est devenu pro en déguisement, je suis dans la merde, clairement. Hein. C'est où la sortie? Ah ben, eux, ils y vont et ils me laissent là, tranquille. Ne me laissez pas tout seul dans les bains, s'il vous plaît, dégagez. Bon, allons du coup chez le margrave Henkel, qui se trouve à 110 pas, donc ça devrait le faire, tranquille. Hein. Devrait pas prendre trop de temps. Ouch! Allez! Cette petite escalade de palissade, là. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Poussez-vous! Oh oui, non, c'est toi. Mais va-t'en! Bon, alors, hop, on y est presque, 30 pas. Donc c'est ici. Ah, j'ai cru que ça bougeait. Bon, apparemment, c'est ici. Ça ressemble plus à un refuge pour mendiants qu'à la demeure d'un margrave. Jasquier s'est fait des amis intéressants. Je vois pas le rapport. Il est mort, donc il s'est pas fait ami avec lui. Bon, je suppose que il faut le casser. Non, attendez, c'est pas ça. What? Ah oui, c'est ça. Voilà, je casse la porte et je rentre. Salut tout le monde! Hello, y a quelqu'un? Bonjour. Bah alors, on n'attend pas Patrick? Ou Gérard? Bon, on va allumer parce qu'il fait un peu sombre ici. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Oui, un livre, génial. Alors, qu'est-ce que... Bon, il... Ah, des traces de pas. Des traces de pas. Non, sans blague. Je l'ai vu sans que tu me le dises. Hein. T'es pas obligé de le dire. Du coup, allume la lumière. Pas ton bâtard, là. Alors, là, ils vont là, ils vont là, ils vont à la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu quelque chose d'intéressant. Et une bouteille.
Oui, prenons la bouteille. Le vin de ton année de naissance est absolument délicieux. Quel bouquet. Il faut que tu le goûtes. Quand ce sera fait, merci de remettre la bouteille là où tu l'as trouvée. Ton année de naissance pourrait être celle de Jaskier ou de Ciri. Ah, il y a une porte. Eh, plutôt pas mal. Mais pourquoi de Ciri? Attendez. Ah oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Compliment de J, donc c'est Jaskier qui a mis le message. Donc c'est sûrement de Ciri. Bon, bah on va ouvrir la porte. Comment on ouvre? Elle ouvre. Moi je veux bien, mais je peux pas passer. Sûrement un autre passage. Quelque chose ici? Ah ben là, il me... Ah. On va replacer... Ah, si on replace la bouteille, ça va ouvrir la porte. Et du coup, ça veut dire que... Ça veut dire que la personne qui devait venir n'est pas venue, en fait. Ça venait de la pièce d'à côté. Parce que du coup, j'ai pu le faire. Et si la personne qui était venue l'aurait fait, la bouteille n'aurait pas été là. À moi qu'elle se replace automatiquement, mais ça serait complètement con. Hein. Pièce secrète. C'est probablement ici que Jaskier et ses complices ont échafaudé leur plan. Non, je m'en doute. Hein. Voilà, on allume la lumière. On examine ça. Des résidus d'une substance. Ah, ben voilà, on sait où a été fabriquée la bombe. Ce serait bien ici. La bombe. Et du coup, est-ce que ça va être Jaskier qui a fait ça ou quelqu'un d'autre? Je sais pas, mais on verra ça au prochain épisode. Merci à tous de m'avoir suivi. Ça fait plaisir de jouer en votre compagnie. Hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou plein d'autres trucs. Hein. N'hésitez pas à en poser. Je répondrai avec plaisir. Bisous à tous. Bye bye.